Nous revoilà et du coup, on va répondre aux questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Allez. FAQ. C'est comme ça qu'ils appellent ça, foire à questions. Foire à questions, FAQ. FAQ. Et les jeunes de maintenant. Qui a kiffé l'autre en premier? Bébé. C'est moi, ouais. Donc c'est Francis qui m'a kiffé en premier. Kiffé en premier. Est-ce qu'on a demandé à Dieu, notre partenaire, avant de nous mettre en couple? Moi, ouais. Je me disais, Seigneur, que je vais rencontrer une personne, que ce soit au lycée, franchement, que ce soit au lycée, et que je termine pas mes études, je veux que ce soit mon lycée, qui a cette... voilà, quoi, ces débuts d'âge, on est encore jeune, qu'on pense qu'on est, tout ça, que ce soit vraiment... voilà, quoi. Que ça soit vraiment à dans ce moment-là. En fait. En fait, dans ma jeunesse, que ce soit là. Okay. Et je pense que Dieu a répondu à ma prière, tout simplement. Bah oui, puisque je suis là. Moi, c'était aussi une réponse à une prière. Si tu as vu la première vidéo où on raconte notre rencontre, j'ai passé beaucoup de temps à prier pour savoir si je devais y aller ou pas dans notre relation. En ce temps-là, Dieu me parlait beaucoup par des rêves et des songes et tout ça. Et du coup, ce jour-là, j'avais prié et il m'avait effectivement répondu. De façon très claire, c'était moi. On a pris combien de temps avant que Francis vienne dire tes intentions à tes parents? Que moi je viens chez ta famille, à tes parents? Ouais. Bah en fait, moi je me rappelle très bien d'une discussion qu'on avait eue. J'allais bientôt avoir 17 ans. Oui. Et du coup, je crois que je t'ai dit, on attend genre mes 17 ans pour que tu ailles voir mes parents. T'avais bien tout calculé, toi. Et du coup, c'était genre, peut-être, on s'est mis ensemble, entre guillemets, et genre, c'était quand même tôt, hein. C'était genre 5 mois, peut-être après, t'es allé voir tes parents, t'es allé voir mon parent. Parce que moi, je voulais pas être dans les trucs secrets, cachés, tout ça. Comment vous avez fait pour vous approprier la culture de l'autre? Les Antilles, Coco, la plage, poulet Colombo, des choses comme ça. On n'a pas eu besoin de s'approprier vraiment la culture parce que dans ma famille, on n'a pas vraiment, enfin, on n'est pas là la culture antillaise et dans ta famille, c'est pas là la culture congolaise, enfin voilà. Ouais, c'est vrai. Si on doit parler de culture, on va dire bah, dans nos repas, dans la musique. J'ai découvert le compa, frère, nous qu'à danser. Quel âge avez-vous quand vous êtes rencontrés? J'étais une petite. Et lui aussi était un petit. Petit, hein? C'était 16 ans. 16 ans, 17 ans. J'avais 16 ans, t'avais 17 ans. On était gamin. Avez-vous affiché votre relation rapidement? Ah non, franchement. Mais pas. Enfin, ma famille savait. Savait. Ta famille savait. Ouais. Et nos amis proches, on ne l'a pas affiché directement. On l'a pas affiché, en tout cas, voilà, c'est ça que je voulais. Ceux qui savaient, savaient. Ceux qui savaient, savaient. Ceux qui voyaient, voyaient. Ceux qui demandaient, ben, ils avaient la réponse. Ils avaient la réponse. Mais on n'était pas là à prôner sous tous les toits. Hein. Bah oui. C'est mon mari, on ne peut pas toucher. C'est mon futur. Quoi qu'il y ait une chose, j'ai dû poser des questions à quelqu'un. Qui a avoué ses sentiments en premier? Ben, c'était Francis. Hey, j'ai dit, petite, épouse-moi. Tu vas m'épouser maintenant, là. Et voilà, donc du coup, on a fait le tour des questions. Oui. Et on vous remercie pour ces questions. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mm-hmm. Vas-y, clôture la vidéo. Bon, on va clôturer la vidéo, hein, en disant merci à tous les gens qui nous suivent. Surtout, n'oubliez pas de mettre les j'aime et les pouces bleus. C'est ça? Les pouces bleus, les j'aime et les commentaires. Bon. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Au revoir. Bye bye. Bye. C'est pas dur, bébé. Faut leur dire que je suis enceinte.